Vive la parole. Vive la parole. Vive la parole. Hébreux 10, verset 25. Que même c'est ça, vous connaissez. C'est pour la communion fraternelle, il faut qu'on connaisse ça. N'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais, ça le dit. Exhortons-nous réciproquement. Pas abandonner l'assemblée. Comme on dit la coutume pour vous faire. Mais exhortez-nous réciproquement. Ça n'est pas la parole liée. Est-ce que vous avez un argument là pour plaider contre le diable là? Ou une graine loi là pour plaider contre le diable là? Mon gars, pas abandonner l'assemblée. Je vais dire une parole pour écrire David. Écrire n'importe qui étudie écrit ça. Ça me dit, on va parler, oui. Il faut avoir un cœur pour supporter. Je vais finir là. La communion fraternelle au sein de l'assemblée est plus importante que n'importe quel individu. Écris ça. Vous êtes communion avec mon Dieu? Et puis important parce que n'importe monde. Ou est communion quand on va prier, quand on va bénir, et puis important parce que n'importe monde. Nous disons individu. Avant de pas écrire, qui va faire connaître? La communion fraternelle de l'assemblée est plus importante que n'importe quel individu.